Ouais, alors, comment ça s'est passé ton début de partie? Eh ben, début de partie, on est que 6 à table déjà, donc l'ordre c'est de faire tourner un maximum le jeu. Relativement passif les joueurs. Les relances, tu relances simplement deux fois, tout le monde se couche. Voilà, donc je monte tranquillement du jeton. Quelqu'un me surrelance, je suis une grosse blinde avec 5 et 8 de trèfle. Je décide de payer, il a mis que simplement 2 bébés. Au flop tombe 10-5-5. Je décide de checker, il me renvoie, je colle. À la turn, il tombe un roi. Remême scénario, j'ai envie de l'emmener jusqu'au bout et à la river, tombe un roi. Et il m'envoie un tout petit peu, il fait une toute petite value. On va dire que je le remercie parce qu'il a chopé son carré de roi. Donc face à mon full, pas fier. Ouais. Et puis juste après, pareil, encore un autre scénario. Bon, je rentre, on me laisse voir le flop avec 9 et 2. Je touche mon brelan de 2. Et au final, il tombe 8 turns, river 8. Et il fait full. Et voilà, je dois encore me résigner à pas grand chose. Mais sinon, non. Maintenant, sur la table. Bonne image, je suis remonté à 24 000, ouais. Un peu plus de 24 000, donc là c'est assez positif. Ouais, les joueurs respectent l'Irlande, ça joue propre, mais c'est relativement loose. Hein. Je pense que le côté free roll et le côté internet y est pour beaucoup. Hein. Certains se perdent dans les blindes, ils ne savent plus trop où on en est. Alors le fait qu'il y ait deux jeux de cartes sur la table, ça les perturbe. Mais sinon ça va, bonne ambiance à la table. Voilà. Puis, j'espère que les autres, ça se passe bien aussi. En espérant qu'on va aller... On n'a pas vu de sortant pour l'instant. Bon, c'est déjà bon. Non, mais la finale en force, on va dire.